On est parti et aujourd'hui on va répondre à cette question. Pourquoi eh bien certaines personnes sont plus difficiles à typer que d'autres? Et pourquoi de l'autre côté finalement certaines personnes vont être caricaturales de leur profil? Alors la première chose que l'on pourrait se dire, c'est que eh bien ces personnes caricaturales sont plutôt dans une version moins évoluée, plutôt désintégrée de la personnalité. C'est vrai dans certains cas que le fait qu'une personne soit désintégrée va amener que finalement elle va être plus facile à typer. Cependant, on peut avoir d'autres personnes qui vont être très désintégrées dans leur profil. On pourrait imaginer par exemple un 3 qui est très enfoui dans la notion d'image. Et finalement, tu ne vas pas arriver à le typer. Et là, ici, en fait, on se rend compte qu'il y a autre chose. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'il y a la couche de personnalité liée à l'énéagramme, mais il y a aussi l'instinct type. Et pas que, parce qu'on pourrait parler d'autres couches, comme par exemple sur le MBTI ou les fonctions cognitives de Jung, les différents aspects. On va dire un exemple concret. Tu prends une personne qui est plutôt intuitive et tu vas la retrouver sur un profil plutôt instinctif, un 1 intuitif ou un 8 intuitif, eh bien ces personnes-là vont être plus difficiles à typer qu'un 8 sensitif ou un 1 sensitif. Pourquoi? Parce que les énergies vont dans la même direction. Autre exemple, et là pour rester vraiment dans le cas de l'énéagramme, eh bien on a des personnes qui vont avoir un type donné et un instinct type qui peut aller dans une autre énergie, dans une autre direction. Exemple, le survie. Si on prend l'énergie de survie, si on prend un 5 survie, même si la personne est évoluée, on va avoir les traits de 5 qui vont être beaucoup plus simplifiés. De l'autre côté, on va voir, par exemple, une personne qui va être en 2 survie, en 3 survie ou en 4 survie. Eh bien là, on a l'aspect émotionnel qui va être masqué ou du moins qui va aller dans une énergie différente de l'aspect survie. Ce qui va faire qu'une personne qui va être en 3 survie va être plus difficile à typer qu'une personne, par exemple, en 3 social. Ou on va prendre n'importe quel 2 tête à tête, 2 social. Vont être beaucoup plus faciles à typer qu'un 2 survie. Ce qui va faire que, c'est ça qui est intéressant, qui est génial avec l'énéagramme, c'est que les choses sont beaucoup plus subtiles, sont beaucoup plus complexes. Dès lors, si tu veux continuer avec moi et aller plus loin, je t'invite encore une fois, si tu ne l'as pas fait, à me rejoindre sur un masterclass énéagramme où on va aller plus en détail et également, je t'enverrai en exclusivité par mail des infos complémentaires à celle-ci. Allez, je t'attends, donc tu me rejoins de l'autre côté et moi je t'attends là-bas.